Salut tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo glitch sur Battlefield 3. Donc un glitch, comment traverser un mur avec du C4. Donc découvert par moi, mon cousin qui est Warmix 67 et XtaZX Monster qui est dans mon escouade. Donc vous posez du C4, je vais vous montrer après en détail. Vous vous éloignez, prenez de l'élan quoi. Ensuite vous courez, vous activez et ensuite vous sautez. Enfin pour ma part parce que moi j'ai une connexion un peu naze. Ensuite, votre allié va vous réanimer. Vous allez être. Bah, voilà, out of map en fait. Donc là, on peut voir un mur qu'on traverse. Et ensuite, vous voyez, vous avez beaucoup de possibilités. On peut aller par là. Donc, pour voir l'espèce de toit, voilà. Vous pouvez encore aller par là. Mais à gauche, il y a un mur invisible qui est un peu chiant à traverser des fois. Et vous pouvez aussi passer par là. Mais là, je m'étais un peu loupé. Donc j'étais tombé à l'étage en dessous, qui est encore un autre out of map avec on peut voir la cage d'ascenseur. Donc maintenant je vais vous montrer de l'extérieur comment faire. Donc là on peut voir XtaZX Monster qui va poser sa trousse de munitions. Et voilà. Donc il pose deux C4 par terre qui vont être bien utiles. Ils sont pas obligés mais ils vont quand même être bien utiles. Donc 4 au mur et 2 par terre. Et petite dédicace à toi Ludo, donc Warmix67. Qui bah, c'est avec toi qu'on a découvert ce glitch et malheureusement t'étais pas là lors du tournage. Donc la petite dédicace à toi qui va bien être deg. Donc là on peut voir Dylan, donc c'est XtaZX Monster, qui court et qui va s'exploser contre le mur. Donc ensuite on s'occupe de le réanimer. Donc c'est vite fait. Et vous connaissez bien sûr la suite. Le suicide et le respawn. Donc après ça, vous voilà out of map. Et les possibilités sont quasiment infinies. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!